You think you know me. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'émission 16 et on va aller jusqu'au bout aujourd'hui, donc on va terminer. Alors, un petit défi dans les commentaires. La première personne qui me dit où est-ce qu'on voit le chiffre 16 dans la cinématique gagne toute mon estime. Parce que là, moi je viens de le chercher avec le ralenti, la cutscene est vraiment très courte. Hein. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver où est-ce que c'était et je vous mets au défi de trouver sans aller chercher sur internet. Et même si vous allez sur internet... je suis allé voir après et vous verrez que beaucoup donnent le mauvais emplacement. Parce que honnêtement, pour le trouver celui-là, faut vraiment avoir un œil de tigre. Hein. Là, c'est un œil d'aigle ou ce que vous voulez, mais ouais, l'œil du tigre, n'importe quoi. Non, il faut avoir un œil d'aigle. Sans le ralenti, franchement, je vous mets au défi de le trouver. Mais c'est vraiment très compliqué. Mais essayez de le trouver dans les commentaires, essayez de me répondre. Et puis après quelques temps, je mettrai la réponse. Dès que quelqu'un aura trouvé, je mettrai la réponse. Bon, donc mission 16. Bon, rien de spécial. Là, c'était des ennemis bateaux. C'est l'occasion de faire quelques combos. Bon, là, on approche vraiment de la partie ouais, complexe du jeu. Là, voilà, vous allez commencer à vous taper un petit peu tout type d'ennemis en même temps. Des archers, là, des trucs rouges et tout. Enfin... Vous allez vous manger un petit peu tous les types d'ennemis à la fois, donc ça va devenir un petit peu plus complexe les combats. Ça sera plus juste des ennemis tout basiques, avec que ça, non non, là vous allez avoir des mix et tout, donc va falloir bien définir vos priorités. Moi je pense que la priorité c'est toujours les archers, puis ces trucs là. En gros tous les ennemis qui peuvent vous attaquer de loin ou surtout vous faire chier et vous gêner quand vous tuez les ennemis bateaux, j'ai envie de dire. Voilà, des combos basiques. Ah, ce chiffre 16, putain, j'ai mis du temps à le trouver. Je vais réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire de marrant pour celui qui trouve? Celui qui trouve, je citerai son pseudo dans une vidéo. N'importe laquelle je verrai d'ici là. Déjà, il faudrait que quelqu'un trouve, mais peut-être dans les vidéos de DMC2. Ou... Donc voilà, petit défi de lancer pour vous. Ici je crois qu'on va avoir une mission secrète. Voilà, donc faut casser la boule. Donc j'avais déjà donné ma technique une fois. Donc là je vais me foirer une fois et puis on le fera au prochain coup. L'idée c'est de monter dessus et de taper avec des coups normaux. Voilà, il a dû se barrer. Là. Bon, donc j'ai terminé le jeu, hein, évidemment. Là j'ai encore été absent quelques jours. En fait, le nouveau PC a mis beaucoup de temps à s'installer, plus que ce que je pensais. Parce que j'avais beaucoup de trucs à installer, puis toutes les mises à jour de Seven, etc. Bon, ça prend du temps, il y a quelques soucis, donc, bref. Je suis un petit peu de retard, mais voilà, donc DMC est terminé. Enfin, ça fait une semaine qu'il est terminé. Prototype également, donc le test, je vais le faire aujourd'hui. Donc là, vous allez avoir une série de vidéos pour ceux qui me suivent. Vous allez avoir la fin de DMC3, vous allez avoir l'intégralité des Orbes Bleus des missions secrètes, le test de prototype, l'intégralité des skills de Disgaea 4, et après c'est Trine. Donc cette mission secrète, pour le coup, la vidéo vous sera pas très utile. Il faut résoudre un puzzle. Donc, bon là, ça sert à rien ce que je fais en l'occurrence. C'est, il faut que la première statue qui émet le rayon l'envoie sur le miroir de celle qui est en bas à gauche là. Sauf que en fait le puzzle en lui-même est aléatoire. Donc vous n'aurez pas le même que moi. Enfin pas forcément. Je crois qu'il n'y en a pas non plus 50 milliards, mais il doit y en avoir une vingtaine de possibles. Donc vous n'aurez pas le même que moi, donc il faudra chercher. C'est pas extrêmement compliqué, hein, mais bon. Peut-être si vous voulez réinitialiser, je vais le faire d'ailleurs. Si vous voulez le réinitialiser, il faut
Faut aller taper le truc en haut. Bon là je réfléchissais, j'essayais de regarder un petit peu les directions. J'ai pas été très rapide. En général le mieux c'est de partir de la fin, c'est comme quand on. C'est comme quand vous faisiez un labyrinthe quand vous étiez petit. Vous partez de la fin et puis vous remontez le chemin petit à petit vers ce qui paraît le plus évident. Là, je pourrais peut-être faire une vidéo qui montre les 20 chiffres cachés. Ah, ça pourrait être marrant ça. Ah bah je vais faire ça aussi, tiens. Je vais faire une vidéo qui montre les 20 chiffres cachés. Alors essayez de trouver avant que je la fasse. Bon là vous voyez en fait le puzzle c'était tout con, il y a que 2 ou 3 pièces à casser. Fallait juste trouver la bonne à casser au début puis après ça va tout seul. Je vais peut-être aussi réaliser un test de Devil May Cry HD Collection, donc je pense que je vais faire les 3 d'un coup. Bon, j'ai pas encore commencé le 2, donc de toute façon je le fais pas pour l'instant. Mais voilà, si je fais un test, ce sera les 3 en même temps. Je ferai les uns à peu près indépendamment de chacun, mais vu que si vous achetez HD Collection, vous achetez les 3, autant que je présente les 3. Donc si mon test de prototype plaît, ou peut-être pas, enfin on verra, bref. Mais je ferai sûrement peut-être... Qui sait, Dieu seul le sait, etc. Bref. Peut-être que je ferai ça. Ah, une nouvelle pièce d'échec, tiens, on l'a jamais vu, celle-là, la tour. Donc la tour, c'est chiant en fait comme le truc. Il fait que des lasers à la con. Jump cancelling est pas possible parce que ces hitbox sont trop retranchés, donc bah voilà. Bon, je les tue en dernier parce qu'en fait, on voit leur laser rouge avant qu'ils ne le lancent, donc pas trop dur à éviter normalement. Faites attention parce qu'il me semble que quand ils sont pas loin de mourir, ils bougent en même temps que le laser se dégage. Une solution peut être tout simplement de sauter, hein, de rester un peu en l'air. Ouais, c'en était un autre ça. Alors c'est étonnant parce que même quand ils sont hors caméra, ils attaquent, ce qui n'est pas... Ouais, donc là j'ai oublié de faire un double saut. J'ai testé le Bloody Palace, mais vite fait quoi. J'ai juste fait 200 étages parce que, évidemment, du coup, j'ai fait que des perfects. Enfin, je sais pas trop comment il fonctionne. A priori, quand on se fait pas toucher, on peut monter 100 étages d'un coup. Ou est-ce que c'est tout le temps? Enfin, peu importe. Bref, j'ai juste fait les 3-4 étages, 3-4 premiers histoire de voir. Et ça a l'air d'être comme dans le 4, à savoir quand les ennemis sont hors champ de caméra, donc que vous ne les voyez pas, ils n'attaquent pas. Et donc ça, il faudra que je fasse le Bloody Palace pour confirmer, mais a priori c'est ça. Ils ont fait le même système que dans le 4, et d'autres de Beat'em All font ça aussi. À savoir que quand un ennemi est hors champ de caméra, il ne peut pas vous attaquer, tout simplement parce que sinon vous ne voyez pas attaquer, et donc ça rend le truc un peu compliqué. Donc ils ont mis en fait cette espèce de lock, de sécurité, je sais pas comment appeler ça, qui fait que vous ne voyez pas un ennemi, il ne vous attaquera pas. Par contre, s'il rentre furtivement dans votre champ de vision, il peut initialiser son attaque, et si son attaque met 5 secondes à se lancer, il va quand même la lancer, donc faire attention. Mais dans DMC4, en l'occurrence, la technique consistait à se tourner au maximum vers l'extérieur du ring, enfin de l'étage en quelque sorte, regarder vers l'extérieur pour voir le moins d'ennemis possible et éviter qu'ils n'attaquent. Bon là j'abrège histoire de pas perdre trop de temps et je vais directement là. Donc là cette salle là c'est vraiment chiant. Il faut péter les deux boules en les faisant se percuter. C'est palpitant. Donc si vous avez une technique qui marche bien, moi je suis preneur parce que j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Voilà, faut bien faire tomber les deux d'abord. Hein. Alors ouais, j'avais pas fini d'activer l'autre parce que je m'étais dit je vais essayer de gagner le maximum de temps, mais en fait il était entièrement retombé le temps que j'active l'autre, donc ça sert à rien. Voilà, j'ai pas de technique toute faite qui marche bien ou quoi que ce soit. Voilà, j'y vais à l'arrache. Je sais pas du tout ce qui marche bien pour ça. J'avoue que là, d'ailleurs, maintenant que je vous le dis là, je sais toujours pas. Hein.
Alors au passage, je voulais évoquer un truc. Ceux qui auraient fait le Bloody Palace pourront peut-être me répondre, mais ça n'a pas l'air d'être le cas dans le jeu, mais pour le Bloody Palace, ça l'est. Quand un ennemi est hors champ de vision, normalement il n'attaque pas. C'est comme ça dans le 4, que ce soit dans le jeu ou dans le Bloody Palace d'ailleurs. Et je voudrais savoir si c'est la même chose dans le 3. Moi j'ai testé, j'ai fait que 3 étages juste pour voir vite fait à quoi ça ressemblait. Et il m'a semblé que quand ils n'étaient pas dans le champ de vision, et bah comme dans le 4, ils n'attaquaient pas les ennemis. Donc, je voulais juste confirmation. Il n'y a pas que eux qui font. Bayonetta aussi avait mis ça. Pas sûr pour God of War, mais en général les beat'em all mettent cette petite sécurité parce que ils savent que les caméras sont pas évidentes à gérer et que ça arrive souvent qu'un ennemi se retrouve en dehors de votre champ de vision, donc pour éviter que vous fassiez attaquer alors que vous voyez rien, ils ont mis cette sécurité qui consiste à dire voilà, si l'ennemi il est en dehors du champ de vision du joueur, donc vous voyez pas la caméra, il n'initialise aucune attaque. Par contre, si une attaque a été initialisée hors champ de vision, et il ira jusqu'au bout, ça c'est normal. C'est une espèce de petite sécurité pour le joueur, c'est plus simple, parce que dans le 1, vous voyez, c'est pas le cas. Et ça arrive souvent dans le 1 que vous mangez une attaque parce que vous n'avez pas vu l'ennemi la préparer, tout simplement. Dans le 1, d'ailleurs, il faut beaucoup jouer avec le son. Ça, c'était très important dans le 1. Il fallait vraiment jouer avec le son, mettez bien les haut-parleurs, parce que chaque attaque... Mais dans les autres aussi, hein. Chaque attaque, normalement, l'ennemi émet un bruit. C'est des attaques assez marquantes, hein, en tout cas. Il émet un bruit bien spécifique qui permet de savoir qu'il va attaquer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien jouer avec le son dans ces jeux-là. Bon, ces ennemis là j'ai déjà expliqué, hein, il faut essayer de les tuer le plus vite possible. Maintenant vous pouvez faire un petit peu de jump canceling en plus, ça va aller plus vite. Donc voilà, les éliminer le plus rapidement possible pour être tranquille après. Sinon vous pouvez les laisser et vous vous entraînez, comme vous voyez il lâche un petit peu tous les types d'ennemis, donc ça c'est pratique. Ouais, ici je vous conseille de vous barrer direct parce que avec ces trucs là plus les archers derrière, qu'est-ce que c'est chiant. En plus ils réapparaissent, donc non vraiment. Bon alors le problème voilà, c'est qu'en essayant de monter vous allez vous faire shooter par les archers. C'est génial. Ça a été super bien imaginé pour faire chier ça, franchement. Yeah.
qu'on va avoir bientôt à faire. Parce que j'ai rien à vous dire là. On va arriver à un boss qui est pas... C'est pas génial, hein. Enfin, c'est pas mon boss préféré. Plutôt faible, chiant à faire, franchement pas intéressant. Mais bon, vous allez voir de toute manière. Vous me donnerez votre avis, mais honnêtement, je pense que c'est pas le boss le plus intéressant qu'ils aient imaginé dans cette série. Hein. Honnêtement. Mais bon. Que voulez-vous? Dans le scénario, ça s'inscrivait plutôt bien, on va dire. What's wrong? You tired? Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back! I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture now, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. Voilà donc le boss Lady. Donc un boss qui va ne faire que se battre avec les armes à distance. Qui, c'est chiant, en fait elle va quasiment tout le temps faire la même chose, se mettre sur les en hauteur là, balancer des grenades, ou alors être au sol et balancer des roquettes. Alors vous pouvez la shooter aux armes à feu, ça va être long. Donc moi ce que j'essaye dans l'ensemble, c'est d'aller jusqu'à elle et lui mettre des coups d'épée. Parce que ça va, ouais, je prends la roquette, c'est dommage. Ça va vraiment beaucoup plus vite comme ça, il faut bien éviter ses tirs quand elle s'envole entre guillemets. Mais bon, elle a tendance à faire beaucoup la même chose. Et c'est chiant. C'est franchement, c'est hyper chiant. Ah, puis là, elle a bien bugué. Voilà, puis quand elle essaye de fuir, ça sert à rien d'essayer de la choper. Là, on a vu son ombre, elle est au-dessus, donc gaffe aux grenades. J'ai pas vraiment de recommandations contre elle, à part de voilà éviter ces grenades, mais... J'ai pas de grosse technique, je sais pas s'il y a une technique particulière qui permet de la tuer assez rapidement ou quoi que ce soit, parce que ce combat, je le trouve interminable et chiant, mais chiant, vraiment, c'est hallucinant, quoi. Il est vraiment pas intéressant, ce combat. Je perds la vie, mais en plus, vous voyez, elle fait pas des gros dégâts, donc c'est vraiment pas un boss dangereux en plus. Honnêtement, j'ai même pas l'impression qu'elle ait été considérée comme un boss quand ils l'ont fait. Elle a une barre de boss, donc c'est un boss, mais moi je la vois plus comme un sous-boss. Quand on voit les dégâts qu'elle fait, et enfin ses attaques et tout, et surtout c'est une humaine, donc, quand on voit les dégâts qu'elle fait, moi j'ai plus l'impression de voir un sous-boss quoi.
Non, puis voilà, elle balance une grenade, puis elle fuit. Allez, génial. Oh, c'est intéressant. Donc là, oui, essayez de voir son ombre. Là, on la voit au sol. Souvent, on la voit, en fait. On voit son ombre tomber. Enfin, entre guillemets, quoi. On voit l'ombre d'elle en train de tomber. Ouais, donc au final, moi je me suis retranché sur l'attaque au Swordmaster, de lancer l'épée sur elle, et puis voilà. Pas tout. Autant utiliser cette attaque, ça marche plutôt bien, ça lui fait des bons dégâts, donc moi je préconise d'utiliser ça. Peut-être le fusil, enfin fusil, l'arme spirale, peut-être efficace contre elle. Mais j'utilise jamais. Je peux pas vous dire. Voilà, pour éviter ça, vous foutez derrière un pilier, tranquille. Voilà, là c'est génial, voilà. Là je l'ai mise dans une boucle. Elle essaye de tout le temps lancer son attaque et moi je lance l'épée. Alors si vous arrivez à faire la même chose, tant pis. Et voilà, c'est terminé. Business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. I know what I need to do. Wait. Trust me. I'll make things right for you. That's what my soul is telling me to do. Use this. How much is it gonna cost me? You can give me your name. Dante. Dante. Please. Free my father. I will, lady. Ça marque donc la fin de la mission. Et on arrive à la 17. Et on touche au but là.
Allez, je vais pas vous faire l'affront de vous demander où était le 17, tellement c'était évident. Je pense que le 16 est l'un des plus durs. Bon, après le 1 et le 2, je me rappelle plus trop s'ils sont très durs, mais... Je me rappelle où ils sont, mais... Ouais, je les revois. Dans l'ensemble, la plupart sont très simples. Peut-être, je vous dis, le 1 et le 2, en fait, je me rappelle, j'avais mis du temps, parce que... Au début du jeu, comme on sait pas qu'ils sont là. Mais sinon, pas très compliqué. Alors ici d'abord vous avez un truc d'orbe rouge ici, et là on l'a pas vu, je l'ai raté. Je sais plus si j'ai fait un montage, mais vous avez également une statue sur la droite où il faut faire un triple S avec Beowulf. Et là vous allez vous marrer mes petits mecs, parce que c'est vraiment la merde. C'est vraiment chiant à faire, donc j'ai fait un montage parce que j'ai mis énormément de temps à le faire. Donc là d'abord je vais monter, en fait je vais revenir le faire plus tard. Parce que je l'avais pas vu au début. Je l'ai vu quand je suis arrivé en haut. Donc bref, en allant par ici, vous allez avoir une orbe bleue. Donc c'est pour ça que de toute façon, il faut aller par là. Ça change pas grand chose. D'ailleurs, bah ici, là, ça confirme ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Les ennemis n'attaquent pas quand ils ne sont pas dans le champ de vision. Là, il y a des espèces d'archers, je sais pas quoi. Et comme je les vois pas, ils n'ont pas attaqué du tout pendant le combat. Alors, est-ce que c'est bien le cas, ou est-ce que c'est juste qu'ils avaient peur? Je sais pas. Bref, là, bon, c'est un ennemi bateau maintenant, les faucheuses. Franchement. Dites pas que vous avez encore du mal. Je suis en train de penser, en fait, Lady, on peut la considérer comme une sous-boss si on considère que l'espèce de ver géant là qui vole ou je sais pas quoi est un sous-boss. Pour moi, c'est un sous-boss ce truc-là, parce que honnêtement, je vois pas ce qu'il a de boss. Donc j'aurais envie de considérer Lady et ce monstre-là comme des sous-boss. Il rapporte rien. Ah si, il rapporte une arme. Mais enfin bon, j'aime pas du tout son arme. Alors... La statue avec Beowulf, donc je vous ai fait un montage, donc vous avez l'impression que j'y suis arrivé d'un coup, mais non. Ah ouais, moi je suis monté, puis je suis redescendu, bon c'est quoi. Bon, peu importe, comme ça vous verrez deux fois comment on monte. Bon. Ici, le double saut, c'est quand même plus pratique. Hein. Sans le double saut... Bon, ça va pas être simple, mes petits mecs. Hein. Mais bon, peu importe. Voilà, je l'ai vu en retombant. Donc là, petit montage. Donc faire un triple S. Donc triple S, j'ai déjà expliqué. Pour avoir un triple S, faut varier vos attaques. Donc avec Beowulf, vous avez... Donc moi, attaque, c'est rond. Et attaque spéciale, c'est carré. Donc rond, rond, rond. Ensuite, rond, rond, pause. Rond, rond. Donc là, c'est... il va faire plein de coups de poing, puis un dernier coup de pied. Ensuite, rond, rond, pause. Et plein de fois rond. Pour qu'il fasse ça, voilà. Ensuite, vous avez rond chargé, rond chargé, rond chargé. Puis, rond chargé, pause. Rond chargé. Ou rond chargé et pause plein de ronds. Mais normalement, non. Vous avez ensuite le saut rond. Le saut carré. Avant rond. Arrière rond. Et je crois que c'est tout.
Et l'idée, c'est que vous fassiez ces attaques dans un ordre divers et varié si possible. Et arriver jusqu'au triple S, donc comme moi. Donc vous allez voir, c'est pas évident. Vous allez sûrement mettre beaucoup de temps. Vous allez bloquer sur le double S. Alors, je me suis transformé. Est-ce que ça joue? Bonne question, je sais pas. Je ne sais pas si ça a joué, le fait de me transformer. Parce que se transformer, ça, je vous l'ai déjà dit, ça fait une petite attaque. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ou est-ce que au final, j'ai bien varié comme il fallait? C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pas évident de bien varier dans l'ordre. Donc je saurais pas vous dire. Mais bon, voilà. J'ai réussi. J'espère que vous y arriverez aussi. Bon, je vous ai fait un montage ici parce que vous avez déjà vu l'ascension. C'est pas la peine que je vous le remette. Et la dernière rencontre donc avec Jester. Ce qui est... Franchement, je veux bien, hein, moi, qu'on mette des boss optionnels, mais si ça pouvait rester logique, ça aurait été bien, parce que là, Jester n'a rien à foutre là. Puisque je vous rappelle que Jester, on sait maintenant que c'est Arkham, donc je vois pas comment il est revenu là, mais bref. Jester, donc. Donc là, le combat va être... le début sera comme avant. Je sais pas. C'est après que ça va changer. Il va se mettre sur sa boule à la con là, et là ça va devenir un petit peu chiant. Ah, j'ai pris pas mal de dégâts, je crois. Ouais. J'ai pas été très chanceux sur les boules. J'ai toujours... enfin, j'ai rien de plus à dire qu'avant. Bon, là, vous le voyez, ces attaques vont quand même plus vite. J'en ai bien l'impression. Mais le début du combat ne change pas. Donc là, toute cette phase-là, vous connaissez déjà. Pas été chanceux là. C'est pas cool. Là. Ah, la boule verte, vous voyez, elle vient de me toucher, mais elle m'a pas fait de dégâts. Elle m'a pas rechargé de vie pour autant. Donc je sais vraiment pas au final. À quoi sert cette boule verte? C'est bizarre. C'est une boule qui fait pas de dégâts, on dirait. On doit pouvoir faire du jump cancelling sur Jester. Donc voilà, là il sort sa boule et là ça va devenir vraiment chiant de l'atteindre. J'ai mis un petit peu de temps à trouver comment il fallait faire ça correctement. Voilà, en fait c'est la même chose que d'habitude, sauf qu'il est sur sa boule et donc pour aller le toucher là, accrochez-vous. Moi évidemment j'ai pas été prudent, j'ai fait n'importe quoi. On peut attaquer sa boule, mais qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert, je sais pas. Bon voilà, cette attaque là, il fallait la prendre au moins une fois pour savoir. Et attention à ces... voilà, il crache un truc. Ça rend quand même le truc assez compliqué, hein, faut bien avouer. Alors, malgré tout, je pense qu'il est optionnel ce boss. Hein. Enfin, je suis quasiment sûr qu'il est optionnel, donc moi je le fais en normal. Évidemment, en Dante Must Die, on va pas se faire chier à le faire. Hein. Ça c'est sûr et certain.
Là, j'avais pas remarqué en fait la boule, elle a un œil bleu, un œil rouge. Ouais, donc là, ça montre clairement que c'est Arcane. Je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à vous transformer pour récupérer un peu de vie. Hein. Là, il est fatigué, donc voilà, on doit pouvoir l'enchaîner. Ouais, c'est franchement pas évident. Quand il y a des petits confettis qui se barrent, ça veut dire qu'on peut l'attaquer. Et hop, dernier niveau de Swordmaster, si ça c'est pas beau. Bon, même si au final... j'utilise pas trop. En fait, je vais utiliser pour le réel impact surtout. Cette attaque-là est très stylée et elle fait très bien monter le style. Mais bon, je l'utilise pas trop parce qu'elle est un petit peu... Quand vous vous lancez dedans, vous êtes ouvert à plein d'attaques. Bon, mais normalement, j'aurais dû la faire. C'est une attaque que j'aime bien, mais j'aimais beaucoup la faire à l'époque, puis je la faisais moins sur la fin. C'est pour ça que je la fais plus maintenant. Voilà, ça, c'est un bon moyen de se régénérer. Bon, rien de particulier sur ces ennemis-là, hein. Ça change pas d'habitude. Voilà, bon, à part qu'il s'est coincé, et là, évidemment, pour le décoincer, je vais aller me prendre une attaque, génial. Il n'y a qu'un seul chemin. Pour le faire plus facilement, vous pouvez vous transformer, ça permet de courir plus vite. Comme ça. Bon, on va arriver à un boss... marrant dans son concept, mais pas palpitant à combattre. Mais intéressant. Ouais, c'est complètement contradictoire ce que je dis. Non, vous allez voir, c'est un boss pas trop mal. Ah, d'abord une mission secrète. Mission secrète assez chiante d'ailleurs. Si vous êtes en trickster, ce sera plus simple. Parce que là, pour le coup, les trucs vont très très vite. Donc voilà, faut arriver jusqu'au bout sans se faire charcuter par les pics. Donc si vous n'êtes pas en trickster, ça va être compliqué. Vous avez le choix aussi, voilà, de vous transformer comme moi, et dans ce cas-là, vous courez, ça va mieux. Sinon, si vous pouvez pas vous transformer, bah trickster. Trickster, c'est le seul moyen, et en fait, vous faites un dash dans les pics. Sinon, voilà, voilà, faut avancer comme ça, petit à petit, c'est pas évident.
Mais le saut en fait donne quelques frames d'invulnérabilité, comme un dash. Donc ça doit être possible en gérant bien de sauter pour passer au travers des pics, et j'ai l'impression que j'ai fait ça en fait, par moment. Mais là le timing est plus dur que pour un dash. Bon, quoi qu'il en soit, on va arriver au boss donc. Bon, il y a encore une salle, mais... Ah si, bah si, on va parler de ces ennemis là parce que c'est la première fois qu'on les rencontre. C'est la version la plus puissante des ennemis de base en fait. Donc vous pouvez toujours les envoyer en l'air, ça change pas. Par contre, ils ont des attaques à distance et ils vont souvent faire ça, voilà, c'est-à-dire ils rentrent dans le sol. Donc vous ne pouvez plus les taper à ce moment-là. Et ils ressortent et ils balancent l'une, un peu comme c'est leur moon, au sol. En gros, ils ont des attaques à distance qu'ils vont utiliser assez souvent. Donc essayez de les enchaîner bien en l'air si possible, qu'ils vous fassent pas chier. Sinon, bon, mais ils font quand même des gros dégâts, hein, faites gaffe. C'est pas des Mickey. Bon, après, ça reste des ennemis de base. Hein. Le jump cancelling est toujours possible. Vous pouvez les enchaîner en l'air. Ça, ça change pas. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au boss. Quand même. Je vais vous laisser le menu. J'ai dû changer. J'ai dû me mettre en trickster pour le boss. Je suis même pas sûr. Non, je suis peut-être resté en Swordmaster en fait. Parce que c'est vrai qu'il est pas, il a pas des attaques spécialement dures à éviter. Me some questions. Well, too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore. Come on, you poser. Donc, Doppelganger, donc, c'est votre ombre, quoi. Donc, pour le battre, en fait, le seul moyen, c'est de l'illuminer. Donc, il ne rentrera jamais dans les zones éclairées. Et voilà, si vous arrivez à lui mettre une lumière dessus, donc à allumer une lumière quand il est encore près de vous, ça casse son armure et vous pouvez l'enchaîner. Et là, en fait, vous avez deux manières de faire ce combat. Vous avez la mienne qui consiste à, comme il a des patterns assez simples, en gros vous restez dans la lumière, vous attendez qu'il fasse une attaque, et dès qu'il lance son attaque, vous esquivez et vous allez vers la deuxième lumière, vous mettez trois coups d'épée, tac tac tac, ensuite vous sautez et vous ouvrez la lumière et vous pouvez lui mettre un petit combo. Et la deuxième méthode, c'est la même chose, c'est toujours d'allumer les lumières, sauf que là ça va être d'allumer toutes les lumières, parce que si toutes les lumières sont allumées, il va se mettre au centre et se casser, entre guillemets quoi. Enfin, comme quand il se prend la lumière quoi, il va se casser, mais il va se casser un peu plus longtemps, donc vous pourrez lui mettre un plus gros combo. Mais honnêtement, c'est tellement long de casser toutes les lumières, enfin d'ouvrir toutes les lumières, et
Parce que ça, quand il est au centre, vous pouvez l'enchaîner plus longtemps, mais quand je dis plus longtemps, c'est quoi? C'est 2-3 fois plus longtemps. Parce que, sauf que si vous comptez des lumières, il y en a, il doit y en avoir 7. Là, vu le nez, je regarde comme ça, il doit y en avoir 7. Sachant que lui, il en éteint régulièrement, donc quand il lance une boule, il peut l'éteindre. Des fois, il a un truc qui permet de tout éteindre d'un coup. Donc vraiment, je pense que le mieux, c'est de faire comme moi. Donc, là, c'est une erreur. Normalement, il faut attendre dans la lumière qu'il fasse son attaque. Mais voilà, si vous faites à peu près comme moi, vous risquez pas grand-chose. C'est pas un boss compliqué du tout. Vous attendez, voilà, vous attendez qu'il aille faire son attaque. Vous restez dans la lumière. Quand il n'y a plus de lumière, ça devient un peu risqué. Parce qu'il peut faire des stingers, il peut faire des trucs comme ça. Ouais, c'est un boss vraiment simple. Je dis peut-être trop souvent ça. Il est simple. C'est un boss pas trop dur. Non, honnêtement, c'est un boss qui a des patterns assez évidents. Je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés. Une fois qu'on a compris le principe qu'il rentre pas dans la lumière, que machin... On voit pas comment il peut être très dangereux comme boss. C'est vrai qu'il fait mal. Enfin, il fait mal. Il peut faire mal. Il a des attaques assez fulgurantes. Des fois, il vous fera un stinger ou des trucs comme ça. Ça peut être dangereux. Mais bon, c'est tout dans l'ensemble. Il n'y a pas d'attaque trop dangereuse qui va vous enlever la moitié de votre vie. Non, franchement, ça va. Mais à la mission 18, vous verrez, je l'ai un peu mieux géré que ça, je crois. Là, évidemment, c'est la première fois que je le revoyais. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait d'allumer toutes les lumières. Je le ferai à la mission 18 juste pour tester. Thought I lost my shadow for a sec. Come on, Wimp.